Découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom. Amis téléspectateurs, bonsoir. Jeudi, c'est un plaisir pour notre Rila Kayou à l'émission Zoom. Dernier jour, activité sportive pas suspendue augmentée dans le pays d'Haïti. Sous diverses places publiques, un pile jeune a pratiqué mouvement pour gérer le corps. Ces mêmes gens, tout en dans salle sport, il y a un pile monde qui paye l'argent pour être capable de faire sport. Jeudi, dans l'émission Zoom, nous allons suivre un reportage avec l'équipe Zoom pour nous capable bien comprendre comment ça y est. Parmi les activités qui ont mené dernier jour, un pile jeune garçon et jeune femme al nan salle sport. Ça qui gagne l'argent payé pour ça, gagne l'autre, c'est sous place publique qui gagne quelques matériels pour pratiquer. Envie qui mène monde faire sport yo en pile. Gagne c'est pour yo ka grossi, gagne c'est pour yo gérer forme ko yo, gagne c'est pour gérer santé et physique là. C'est coach Donald et Zuki Ndodo, c'est un bodybuilder qui est champion dans la compétition 2019 nationale. Donc et moi, je suis content de belle initiative que nous avons pour nous faire passer dans le domaine qui m'a bien volé, qui c'est sport et musculature. Et normalement, avec mon lot, je dis que je suis capable de gagner 10 clients, par exemple. De même, je suis capable de gagner 3 clients. Des fois, je n'ai pas qu'un B vraiment. Je pense que le doué, c'est connaissance qui vient faire avec l'exercice. Okay? Une fois que vous avez fait connaissance avec l'exercice, vous connaissez combien de répétitions vous avez fait dans la phase débutant, parce qu'il y a une phase débutant, parce que y a une notion de base, il faut comprendre la notion de base là bien pour revenir dans notre phase. On ne peut pas venir du jour au lendemain pour dire, ah, après, quand on a deux mois, on va voir un marché. Non. Ça, vitesse progression, bon là, moins avancé que l'autre qui déjà devant mon déjà. Donc, c'est ça, on est capable de dire dans ce sport. En dans le sport, Don Dodo fait faire connaissance avec plusieurs matériels. Parmi eux, il y a qui pour travail même supérieur et inférieur pour bio énergie et en pile mobilité. Sur la machine, ça, c'est Chris Shaken qui travaille la grande portion du bicep. Et l'exercice, ça, on fait le bicep. Donc, par exemple, on voit ça, c'est 15,9 kg. 35 livres. 10 livres. Regardez, muscle, là, il est attaché. Il est attaché entre deux tendons. Tendons aux épaules là et tendons 17. Il va frapper une grande portion. Il fait demi-tension. Il va quitter même descendre net pour ne pas stresser le tendon pour cramer ici. Je n'ai pas obligé de quitter pour être là, descendre net comme ça, pour ne pas stresser dans le triceps là pour ici. Mais là, faire des mutations pour le carré, pour le travail de la portion. Des musculations, c'est une question d'angle et de position. Il y a une position, mais qui est partie pour solliciter. Parce que nous, on est corps mais il y a un bon muscle là-dedans. Et jusqu'à nos jours, il y a un muscle qui me rejoint, nous, pour le bain. Donc, premier là, on a
Mon deuxième exercice, je gagne deux dombelles 20 livres dans le même. Je vais faire élévation latérale en français. Mais en anglais, c'est latéral. Oui. Ok, je vais solliciter extérieur, gainer extérieur. Parce que nous disons, et musculation, c'est une question d'angle et de position. Il y a des positions, mais qui partent pour solliciter. Et il y a des positions et tout, mais qui l'autre partie pour solliciter. Quand on fait 4 répétitions sur latéraleuse qui c'est deltoïde extérieur. On passe 4 répétitions. Une, c'est comme si il jette les haltères sur les côtés. Ouais, c'est deltoïde extérieur. Quand on là, on fait l'autre exercice avec même dombelle qui définit qui partie la solliciter. Parce que les épaules là, il y a 3 parties là-dedans. Deltoïde intérieur, deltoïde postérieur et deltoïde extérieur. 3 parties. Donc, on a fait front raise. On va faire une balle. Ça, c'est deltoïde intérieur. Deltoïde intérieur. Ok? Quand on a la troisième partie, là, qui c'est deltoïde postérieur. On va dans notre machine pour montrer nous comment on solliciter deltoïde postérieur, arrière épaule. Selon coach Donald, comme chaque monde lié à qualité exercice, il doit faire non salle sport. Moun ki mes gen mouvement pa yo, moun ki gen plis gres gen mouvement pa yo tout. Nan sans sa, coach la a encouragé pratiquant yo pou yo konn kò yo epi konnen ki mouvement yo dwe pratiquer chaque jour. C'est important pour moun yo konnen en quelque sorte comment kò moun nan ye et nou ka bay quelques explications sur comment gen quelques muscles. Kan pou janm di ou, gen 3 types de morphologie. Gen ectomorph, moun ki mince ou bien ki maigre, gen mésomorph. Mésomorph là son moun ki gen muscle. Ça c'est muscle. Et nous avons l'autre type de morphologie encore c'est et endomorph. Endomorph là son moun ki chargé de graisse. Un moun ki plein graisse qui chargé de graisse sur col c'est endomorph. Mais du coup, li ka changer morphologie par là en méso. Et ça fait le venir dans le gym pour changer morphologie. Il va venir pour presse, il venir dans le gym pour venir pratiquer des exercices cardiovasculaires et musculation, tout, pour changer morphologie. Donc, si nous prenons exemple, nous ne pas aller trop loin, nous disons, en biceps, il y a des muscles. Ok? Biceps, il y a des muscles. Nous, là, c'est la grande portion du biceps qui est attaché dans les épaules là et gros des pecs et qui vient attacher dans le deuxième tendon triceps. Okay. Là où est ce tendon extérieur et tendon intérieur. Si nous avons dit que sont leur forme, nous avons dit et tendon ça, il y a 3 parties là-dedans. Où est une à droite, une à gauche, une à droite. Par exemple, pratiquant ça, la fait grande portion. Lui fait des mutations, c'est bien. Lui pas qu'à lâcher bien de sa net pour le stresser tendon. Pour le stresser tendon. Ok, lui sort dans la phase excentrique, dans la phase négative, pour le monter dans la position. Okay? Lui monte là, le muscle là travaille. Ça, c'est la grande portion. Mais si vous comprenez bien qui est exemple de aller avec l'endadombel là, après, avec barre, nous on est sur la barre Z. Il n'y a pas qu'à faire trois mouvements avec barre. Extension. Mouvement les extensions, hein, c'est un mouvement qui n'est pas polyarticulé, qui n'est pas travaillé. Ils ont ensemble des muscles dans les jambes, mais ils travaillent en partie. Partie de travail, c'est vastus limerus et vastus lateralis et grand droit. Donc, les mouvements ont fait musculation, hein, ou après les montées, dans la phase excentrique, la descente, ils sentent moins de douleur. Tandis qu'elle retourne dans la phase concentrique, il sentit douleur à plus.
La travail et devant Jean là qui c'est en quoi. Ok, par exemple, si je suis capable d'aller sur une autre machine, quand pour machine ça, c'est une machine les queues liées. Ou quand je dis hamstring en anglais, et ou capable de dire le travail, bicep fémoral dans jambe. Habituellement, derrière jambe, nous voulons plus faire. Hamstring ou bicep fémoral. Quand je suis capable de garder, je peux ramener bas jusqu'à. Au niveau fessier, pour retourner encore, et pas lâcher les jambes, pour le repeser encore, pour le travail, il s'est fait moral là, qui s'est arrivé. Parce que quand on est, il s'est fait moral là, ou bien derrière les jambes, il est attaché avec grand muscle fessier. Automatiquement, on fait un exercice, on fait en hamstring, on peut jouer des attractions sous fessier. On ne fait pas ça, passe concentré. Vous voyez ça? Tandis qu'il est là-haut, il relâche, il se passe et s'en fout. Donc, qui muscle travail? Premier muscle travail, c'est grand fessier. On a regardé les gens fessiers à gauche, c'est grand fessier. Deuxième muscle, c'est hamstring et bicep fémoral. J'aime pas ça. Donc, on a l'exercice. Là, il faut une belle répétition. On a encore trois répétitions. Deux et un petit complète. Donald, qui c'est yon moniteur qui a dirigé moun exercice pour faire connaître activité yo varié côté nan yon journée li kon guide environ 10 moun. Ak expérience li comme coach, li trouvé c'est une activité qui intéressant côté plus jeune nan pays a ap chercher intégrer yo chaque jour. Nan sans ça, li toujours encourager élève li yo pour persévérer, pour quoi qu'à développer. Jim est assez grand et il a évolué dans le domaine ça depuis presque 10 ans. Donc on est bien et ne pas dire plus bon, mais nous avons un résultat pour qu'on ait une musculation. Activité fait sport, yo pas seulement fait non salle sport. Coach Donald, gen client, c'est la caillou li travaille avec yo. Conseil li pour tout monde qui envie pratiquer exercice sa yo, c'est d'abord pour yo gen bon jan information sou sa y a manger, façon y a dormi et puis pour yo toujours pratiquer mouvement qui gen rapport ak forme ko yo. Pour moun ki sibi yon opération soit nan kòt ou nan sein, coach la assuré y a capable faire sport mais ça pral dépend de dire médecin en bayo pourquoi reprendre. Mais nous fait personnel training à domicile à non le pas gain même horaire avec on l'autre monde. Gain monde c'est à 10h, gain monde c'est à midi, gain monde c'est à 6h de l'après-midi. Est-ce que y a monde qui opéré comme par exemple mon fils qui opéré dans sein ou enlever sein capable faire sport? Et oui, il capable faire sport parce que nous croyons qu'il y a monde qui subit yon césarienne. Et à partir de 6-7 mois, je suis capable de tourner dans le gym et de pratiquer l'exercice que je suis capable de faire. Je pense que nous avons une notion en nutrition. Ça nous capable de conseiller les gens et leur monde dans le sport. Ça va dépendre tout de quel type de morphologie nous avons. Si nous avons une morphologie ectomorphe, un monde qui est mince et maigre, ou un monde qui a besoin d'un peu de sucre et besoin d'un peu de carbs pour le développer avec protéines. Parce que les protéines, la pendant ça, la manger, la petit genre trop petit, faut le remplir calories. Ça a aidé mon à avancer tout la musculation. Parce que et mon nom fait journée dans le gym, nous pensons que la prend 30% dans la salle de bain. 100% c'est 70% c'est la caillou dans ce qu'on va manger et comme on repose et 30% est dans la salle de musculation. Madame, messieurs, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou à l'émission Zoom ça. M'espérer nous te comprendre et apprendre. Rebrancher la programmation. Hein? Bye bye, à la prochaine. Découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le Zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom. Pour un regard nouveau sur la société.
Zoom. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.